Bonjour, je m'appelle Jacob Mazarimu Korongé. Je suis professeur de français au lycée WA pour garçons. Et je suis actuellement président de l'association des professeurs de français au Kenya. Elle s'appelle CATF. CATF, c'est-à-dire Kenya Association of Teachers of French. Nous sommes 70 ici à la côte. Je dis merci beaucoup à l'ambassade pour le soutien. Bonne fête à la journée internationale des professeurs de français. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Luc Munyendo. Je suis professeur de français au lycée de filles de Kwale. Je suis un ancien étudiant de l'université de Maseno. C'est là où j'ai étudié le français. J'ai beaucoup aimé des projets présentés par M. Bénard de l'ambassade de France au Kenya, en particulier le programme de CFTD, Center for Training and Documentation, à l'Université Kenyatta. J'ai fait partie de ce programme l'année passée et j'encourage l'ambassade de le supporter pour aussi introduire les professeurs de français à la côte. Bonne fête pour la journée internationale pour le professeur de français. Okay, bonjour, je m'appelle Jeannette et j'enseigne français à l'école Sri Swaminarayan Academy. À l'école primaire, le français est obligatoire, mais à l'école, au collège, on peut choisir entre le swahili, le gujarati et le français. Donc, nous avons beaucoup d'élèves à l'école primaire. Nous avons appris comment on peut jouer en classe avec les élèves et c'était super. Bonne fête pour la journée internationale des profs de français. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sylvia Oira. Je suis professeure de français et swahili à Breban Mombasa International School depuis l'année 2017. J'ai commencé à enseigner parce que après avoir fini l'école secondaire, mon grand-père m'a conseillé, au lieu de rester à la maison, de faire quelque chose. Je suis très contente d'être un prof de français parce que je vois la transformation de la classe. Par exemple, quand je commence avec les enfants au niveau primaire, ils ne parlent pas le français complètement. Peut-être le français est la langue quatrième, peut-être langue étrangère, mais après quelques cours, ils peuvent parler en français. Bonne journée internationale aux profs de français.